À Madagascar, il existerait un village caché des yeux de tous, à l'est de l'île, enfoui au fin fond d'une montagne recouverte de forêts. Ce village caché aurait des propriétés exceptionnelles, puisque la légende dit qu'il serait tout simplement invisible. Cette légende malgache est alimentée par de très vieilles traditions orales qui se perpétuent et se transmettent depuis des siècles entre les malgaches. Ainsi, personne d'autre qu'un natif du village invisible d'Andrebab ne pourrait le voir, ni y entrer ou en sortir. Les quelques aventuriers qui auraient tenté des expéditions dans la zone auraient entendu des voix et des bruits se rapprochant d'eux, sans jamais en identifier la provenance. Et la légende faisant bien son travail, d'autres faits mystérieux sont attribués à la zone, comme des moteurs de camions qui s'arrêteraient au bord de l'endroit, les instruments des avions qui dérailleraient, des gens qui auraient tout simplement disparu, et quelques rares guides qui connaîtraient l'emplacement du village et qui éviteraient la zone. Des faits bien entendu non vérifiés, mais qui solidifient le folklore. Mais plus mystérieux encore que ce village invisible, c'est le peuple énigmatique qui est censé y vivre, et qui préserverait bien secrètement le village à l'abri du reste de la civilisation. Pour remonter à ce peuple, il faut s'intéresser au début de la légende et aux causes de l'invisibilité du village. Les raisons varient selon les différentes versions. La première dit qu'un très puissant magicien aurait lancé un sort redoutable sur le village et ses habitants, les rendant ainsi invisibles. Le magicien en question était un chef de village, un dénommé Ratanibé. Il aurait eu recours à la magie afin de protéger son village et son peuple des colons grâce au sort lancé. Ratanibé appartiendrait aux Sianaka, un peuple réputé pour utiliser la magie. Une réputation qui leur est d'ailleurs préjudiciable puisqu'ils sont accusés de pratiquer la sorcellerie. Ainsi, cette version de la légende nous apprend que le village invisible l'est dans un but de protection, de mise à l'écart du reste du monde. L'une des variations de la légende narre la même histoire, sauf que ce serait une tribu du peuple des Vajimba qui aurait lancé un sortilège sur le village pour se protéger de la civilisation. Et ce serait une légende ancestrale, puisque le peuple premier de Madagascar, les Vawakan Taolo, à l'origine de la langue et de la culture malgache, se séparèrent en deux groupes. Les Vejo, qui signifient littéralement « ceux de la côte », et les Vajimba, qui signifient « ceux de la forêt ». Les Vajimba s'installèrent donc dans les forêts des hauts plateaux centraux, et y compris de la côte est, et donc dans le village invisible d'Andrebab, qu'une petite tribu Vajimba protégerait encore aujourd'hui pour fuir les humains. Les malgaches qui m'écoutent pourront me le confirmer ou me contredire, mais aujourd'hui, les Vajimba ont une dimension spirituelle et sacrée à Madagascar. Disparus depuis des siècles, les Vajimba sont considérés comme des Lulu, c'est-à-dire des esprits représentant les défunts. Et puisque le culte des ancêtres est une pratique religieuse sur l'île, il n'est pas étonnant de voir une dimension superstitieuse au sein des malgaches. On comprend mieux pourquoi la légende du village invisible d'Andrebab est si fascinante pour les habitants. Car le village abriterait peut-être la dernière tribu Vajimba, qui aurait survécu à l'écart de l'homme en évitant tout contact avec l'extérieur et l'étranger. C'est aussi une légende qui effraie, puisque les Vajimba, aujourd'hui considérés comme des esprits autoritaires à ne pas offenser, seraient omniprésents sur l'île, et l'irréductible tribu invisible serait elle aussi, à sa manière, toujours présente, à nous observer sans que l'on puisse la voir. Cette légende, malgré ses variations, garde en tout cas toujours la même idée. Un peuple ou une tribu trouve le moyen de se cacher, de rester à l'abri et invisible aux yeux du reste du monde et de la civilisation. Ils existent sans être vus et ils évitent tout contact avec quelqu'un qui n'est pas des leurs. Le village invisible fait penser aux dernières tribus de notre monde qui vivent complètement isolées. Mais cette légende m'a aussi fait penser à la série Lost. L'idée de vouloir absolument protéger une île, pour ne pas qu'elle soit corrompue par l'avidité de l'homme. C'est une légende, commune à beaucoup d'autres légendes et œuvres, qui mettent en avant, dans leur morale, la peur du côté destructeur de l'homme.